Allumons ce feu qui va illuminer toute la nuit, comme le soleil dans le nord illumine la terre. Thank you.
du feu. Nous appelons les salamandres et tous les esprits du feu. Nous appelons aussi tous les esprits de la nature qui souhaitent participer à cette cérémonie de la fête du Nord. Merci aux esprits de la nature de faire venir à nous les forces de purification et de métamorphose, afin que nous agissions au mieux pour la vie, l'amour et l'équilibre, en harmonie avec l'univers. Nous invoquons la force de notre Père le Soleil et la remercions d'être présente dans ce feu ici à Is-les-Murger. Nous invoquons la force de la Terre-Mère afin qu'elle fortifie notre corps, renforce nos racines, notre intuition et nous prépare ainsi aux changements qui viennent. À notre Père le Soleil, à notre Mère la Terre, à tous les esprits de la nature, voici en offrande la sauge. L'odeur et la lavande. Le cèdre et le thuya. Le tabac. L'huile parfumée. Demandons maintenant au feu de bien vouloir accepter les vœux de chacun d'entre nous et de transmuter les faiblesses en force. Nous demandons maintenant au feu de bien vouloir accepter toutes nos fausses croyances, toutes nos pensées négatives, afin qu'elles soient transmutées en pensées constructrices et harmonieuses pour le plus grand bien de la vie, de notre terre, la terre, et pour le plus grand bien de l'équilibre. Vous allez regarder ce que je fais, et après, les uns, en commençant à la suite des autres, vous ferez la même chose. Cœur,
votre moi supérieur, la force du 10 sacré, se manifeste au travers de cette purification. Il brille dans le ciel comme l'étoile polaire dans laquelle est intégrée toute connaissance. Le tambour, tu tournes toujours dans le même sens. Hein. Alors je vous le dis, dans un cercle sacré, comme dans la roue de médecine, comme dans tout, vous m'avez vu à chaque fois, je me suis déplacé à chaque fois en faisant un tour et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ce qui en est là, voilà. Dans les autres circonstances. Pour recharger l'énergie. Aujourd'hui. Et donc là, vous allez prendre place autour du feu, de telle sorte de ne pas être grillé, pour ne pas être gêné pendant la méditation que je vais guider. Donc là, vous voyez, je vais me prendre ma place où j'étais et je vais marcher toujours dans le même sens. Donc si vous voulez prendre une place qui est à votre gauche, et bien vous faites un tour complet pour arriver à la place qui est à votre gauche, mais en passant par la droite. En passant par la gauche, je veux dire, mais je vous dis le contraire. Voilà. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Donc, peut-être vous préférez rester debout ou c'est comme vous voulez, si vous préférez. Je pense que debout, on aura peut-être moins froid et puis je sais pas. Et puis ça permet de reculer un peu ou d'avancer un peu en fait, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir régler la position. Donc, si vous êtes prêt, donc là, pour les yeux, tout ça, ouvert, fermé, c'est comme cela vous convient. Les éléments. Nous sommes enracinés dans le sol et nous y puisons les énergies de la terre en même temps que nous recevons les énergies célestes qui entrent par notre couronne. Nous sommes reliés au cœur de la terre et pendant notre inspiration partant du cœur de Gaïa monte un rayon d'énergie. Il passe par nos pieds et remonte jusqu'à notre cœur. Pendant que du cœur, du soleil, un rayon d'énergie descend sur nous, passe par la couronne, rejoint notre propre cœur et les deux énergies nous emplissent complètement. Les trois cœurs sont ainsi réunis, notre cœur avec celui de la terre et celui du soleil. Puis à l'expire, nous rayonnons dans tout l'univers, toute cette énergie que nous venons de recevoir. Nous respirons avec l'univers, à son rythme. À l'inspire, les énergies nous vivifient. À l'expire, nous rayonnons l'énergie reçue et vivifions l'univers. Harmonisons-nous avec l'élément terre. La terre favorise notre ancrage et renforce notre stabilité. Centrés sur le cœur de la terre, nous ressentons l'énergie monter vers nous, entrer par nos pieds et atteindre notre cœur. Cette énergie remplit tout le corps physique et notre bulle énergétique se dilate. Harmonisons-nous à l'élément eau pour mieux gérer nos émotions, créer des relations fluides
et transformer notre eau organique. L'eau est indispensable à la vie organique telle que nous la connaissons. Elle mémorise et véhicule les informations indispensables à la vie. Elle représente 90% de l'ensemble des molécules qui constituent notre corps. Harmonisons-nous à l'élément air pour participer au mouvement de l'univers et sentir notre flexibilité. Nous inspirons l'air, puis nous l'expirons. Il nous donne de l'énergie et des informations indispensables à la vie. Il nous purifie et nous nettoie en évacuant nos déchets. Harmonisons-nous à l'élément feu pour neutraliser le karma négatif, pour devenir pur et enthousiaste. Le feu nettoie, transforme, purifie. Notre feu intérieur nous maintient en vie et réchauffe le corps. Installés dans cette confortable chaleur, évoquons quelques principes de chamanisme. Le monde est ce que nous croyons qu'il est, et tout n'est que rêve. Il n'y a aucune limite. Tout est relié. Tout est dans tout. Tout est possible. Nous sommes reliés et autonomes. Tout est énergie et information. L'énergie circule là où nous concentrons notre attention. L'instant du présent éternel est celui du pouvoir. Notre pouvoir augmente avec l'attention. Aimer implique d'être heureux. L'amour est inconditionnel. Il augmente lorsque nous cessons de juger. Tout est vivant, conscient et sensible. Notre pouvoir vient de l'intérieur. Et quoi que nous fassions, il existe toujours une autre façon de faire les choses. Chemin possible pour atteindre l'éveil. Le choix de vie de chacun de nous est le bon choix. Car c'est un choix. Le choix est toujours bon, à condition toutefois que ce choix nous rende parfaitement heureux, à chaque instant que la Providence nous donne à vivre. Dans le cas contraire, nous devons trouver ce qui bloque. Les propositions qui suivent nous guideront. Laissons-nous inspirer. Écoutons nos guides, observons ce que la Providence nous offre à vivre. Mettons en pratique toutes ces propositions. Zappons le mental le plus souvent possible lorsqu'il n'est pas indispensable. Pour cela, nous devons commencer à nous rappeler nous-mêmes, c'est-à-dire être conscient de soi, conscient du dedans, conscient du dehors,
conscient des mouvements, des bruits, des sensations. Pour cela, créons le silence autour de nous. Ni radio, ni téléviseur, ni journaux, ni pétitions, ni négativité d'aucune sorte. Plus d'étalage, plus d'évocation de souffrance, plus rien contre quoi que ce soit. Ignorons les horreurs afin de ne pas les nourrir. Supprimons de notre consommation les poisons chimiques. Ne finançons pas les empoisonneurs de la terre. Supprimons de notre consommation les substances médicamenteuses. Ne finançons pas les empoisonneurs de l'humanité. Observons nos émotions, car l'observateur transforme l'objet observé. Dans cette même optique, accueillons la paix, vivons en paix. Cela implique de nous pardonner. À chaque instant que la source nous donne à vivre, soyons calmes et sereins. Remercions la Providence pour tous ses bienfaits. Soyons honnêtes et modifions notre mode de vie en fonction de chacune de nos découvertes. Respectons la vie sous toutes ses formes. Vivons en harmonie avec l'univers. Pratiquons l'amour inconditionnel. Recherchons l'unité à chaque instant. Restons connectés ici et maintenant à la source, le grand Tankawakan. Faisons que ce que nous aimons et aimons ce que nous faisons. Choisissons une alimentation pure et vivante constituée essentiellement de végétaux de culture biologique. Nous procédons maintenant à la clôture de cette cérémonie. À l'aide des forces qui s'adressent à nous lors de cette fête avec des étoiles de l'air, du vent et de l'esprit des animaux, nous nous unissons à notre nature animale et nous aimons notre rôle comme celui des autres pour la vie, l'amour et l'équilibre. Le soleil va de nouveau descendre de son apogée vers les profondeurs de l'Empire obscur. Et nous fêtons actuellement, dans l'apogée de la lumière, le retour de l'hiver. Nous remercions tous les participants, visibles et invisibles, qui ont pris part à cette cérémonie. Je dois maintenant jeter des branches fraîches que je n'ai pas coupées. Je vais en parler toute la journée. N'existe pas. C'est clair. C'est pire rapide quand même. Tu vois, j'ai bien fait de pas aller chercher le sécateur tout à l'heure. Thank you.
du Nord s'achève avec cette cérémonie du feu. J'espère que cela vous a inspiré. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Merci à vous d'être venu, parce que je me rends compte que c'est pas toujours facile de réunir du monde. Nous croyons et comptons sur vous, les personnes qui m'ont fait le dernier moment. Non, ce qui compte, eh bien, ce sont ceux qui sont là, et c'est ceux que je retiens toujours. Merci Thierry qui est arrivé. Bien. Top là. Je ne dis pas le planning de la journée, mais. Juste une chose. Thierry a amené du tabac. Oui. Mais il fait froid, non? Parce alors, que ça fait pas partie de la cérémonie le. Si, mais ça empêche pas que je peux le présenter aux esprits et puis faire tourner juste comme ça pour. Mais t'as plus la cérémonie. T'as pu faire une session de rattrapage. Hein. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle n'était pas écrite dans le truc. Ah. Même la méditation qui n'était pas pratiquée l'année dernière. Mais le feu n'est pas éteint, ça veut dire qu'on peut continuer. Et nous n'allons pas bouger de place. Ouais, parce que, non, mais tout va bien. Parce que, c'était une blague. Non, mais t'as raison. Mais attends, je vais te dire pourquoi. C'est parce que y a eu plein de choses qui. Tu vois, je mets les branches l'année dernière. J'ai mis les branches que j'avais coupées avant le matin, quand même, au dernier moment, vertes. J'ai mis le machin, donc ça tout étouffé. Là, j'ai mis des branches que j'ai coupées encore plus vertes. Mais le truc, comme c'est de l'acacia, il est pas tassé. Il se rallume, c'est parce que c'est pour me dire, hey, t'as pas oublié quelque chose. C'est comme les bougies d'anniversaire. Ah oui, que ça se rallume. Ouais, mais ça, c'est civique. Ouais, c'est vrai. Alors que là, on est bio. On a fait le même geste. Alors, qu'on tabac bio. Attends, on va prendre. Vous prenez pas les mains, il y a un petit râteau là. Non, mais on prend pas les mains là. T'inquiète. On est aussi des hommes préhistoriques. Je suis arrivé au bout, il sortait la lunette quand même. Alors faites attention parce qu'il y a des pierres, donc arrachez pas, recoupez pas les pierres au milieu. C'est, ouais. Mais ouais. C'est un peu dépassé les pierres. Mais... Donc si quelqu'un veut s'en occuper, on a ton tabac. Il est en train de fumer les andouilles là. Pas du tout, c'est la chair. C'est très bon les andouilles. Oui, fumer le cochon grillé. Non, mange pas d'animaux. De toute manière, j'entends la matière. Il arrivera un temps où on mangera les humains. Donc là, la seule chose qui est plus grande pour elle, en disant bah, j'avais ce humain, mais depuis, quelque chose que je fais, voilà. Il m'avait renvoyé. Donc avant, je vous demandais, ouais, bah, je remets un peu de veau ou pas? Non, ramener tout ce qui. Je pense qu'il y a des bouts au bord qui sont gros, même. Parce que j'ai mis des gros morceaux. Arrêtez dans mon sens quand même. Si vous voulez, prenez ça encore pour la cérémonie. Après, le feu, il faut aussi, après, la cérémonie. Je
n'avait plus personne. Le libre arbitre. Il y a le libre arbitre. Voilà. C'est de la Saint-Jean avant l'heure. En fonction des éléments. Ah ouais, ça change. Mon tabac au trouble, c'est clair. On va fumer la chicha. Pour se détendre. C'est de l'encens si tu veux. Hein. Non, c'est pas, c'est du tabac. Non, mais il faut mettre dans le feu. De l'encens. Ouais. Ouais, on peut mettre de la sauge avec aussi. Ouais, de la sauge. Je vais en avoir. On n'avait pas emporté de l'encens. Ouais, il chante. J'en ai plein en plus. J'en ai fait sécher, j'en ai un peu coupé, un peu fou et tout. Ouais. Et moi, je savais que c'est, j'ai relevé normalement tout ce qu'il faut. Ouais. Oula. C'est la lavande qui pète. Non, je suis pas sûr. Non, non, c'est un petit. Non, je pense que c'est le bois. C'est l'acacia. C'est un dragon qui passait par là. Il y a bonjour. C'est ça. Je vais te faire un bisou. Les lunettes, ça a dû faire un cul à pêche, un truc peut-être, horrible. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Pour ceux qui souhaitent participer, c'est du tabac bio, il n'y a pas de produit. Non, c'est du 100% tabac. C'est du 100% tabac. Il n'y a pas de trucs. Ouais. Il n'y a pas de conservateur et de machin. Et de... Ça passe dans ce sens-là, vous prenez une bouffée, vous ne prenez pas et vous passez. Il nous manque Jean-Pierre. Il va mieux. Ah. Ah oui. Ah oui, il l'a mis en route là, ça serait sympa. Je sais pas si ça roule, si ça tourne. Ouais, c'est rouge. Ça par contre. Ouais. C'est un peu dangereux. Comment ça fait par rapport au par rapport avec papier et comme ça? C'est plus fort. Ah ouais. Il y en a très peu de tabac ouais, dans le. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait une petite pincée. Une boulée quoi. Une petite, ah oui. Et Jean-Pierre. J'ai retourné. J'ai mis le. Le calumet. Le calumet de la paix. Ça me paraît vachement plus fort que le mien en tout cas. Pour faire le tour. Eh oui, pour faire un tour. Non, non, c'est pas duché. Il en reste encore. Ça fait pas de mal. Ce qui est mauvais dans toute chose, c'est l'addiction et c'est l'abus. C'est-à-dire que je peux aimer les carottes bio si je mange 10 kg par jour, même seulement que 3 kg, c'est trop. Bon, ben, je peux apprécier. Si c'est une fois par semaine, une pipe, ou une ou deux cigarettes, une fois dans la semaine, ça va. Si c'est 10, 15, voire plus dans la journée, ben là, c'est devenu la mauvaise habitude. Donc il ne faut pas confondre un truc de temps en temps. Ça peut stimuler la mémoire, ça peut stimuler la concentration, mais c'est juste une herbe médicinale. Ben, la sauge, c'est la même chose si on abuse. Bon, les chamans utilisent la sauge hein, parce que ça permet de... Pour aller voilà, au esprit. Voilà, et puis c'est quand même autre chose que la liane qui n'est pas de chez nous. Hein, la sauge, elle est bien de chez nous. Bon, ben voilà. Il faut profiter de tout, il faut abuser de rien. C'est ça. L'état réduit, quoi, ou pas? Mais tu prenais 2-3 par jour, tu m'as dit? Toujours à 3-4 par jour. Mais je vais y arriver. Il faudrait arriver et que ça se fasse seulement de pas tous les jours. Voilà. Oui, oui, juste parce pour que 3 dans une journée, c'est pas beaucoup, ça va. Mais tous les jours, c'est... Et moi, tu vois, là, je peux quand même rouler des cigarettes, mais il faut tirer comme une bête parce que c'est... je l'ai mis en poudre en fait. Ouais, ouais. Je prends le mixeur, je mets dans un verre, je mets mon mixeur. Merci.
ça marche pas bien. Non, il y a tout conduite, hein. Là, c'est bon. On va lui tenir en option de feu, là, donc, Non, c'est bon. Bah, c'est tout. Bon, bah, je vais laisser comme ça, parce que sinon, je vais balancer la grille dans la... J'ai mis une petite grille. Ah oui. Nous allons quand même ranger les trucs parce que la bouteille d'huile, il faut la ramener là-bas. La coquille, il faut la ramener là-bas. Les jardinières, il faut faire un cheval. Le tendon, il faut la ramener à l'huile, oui, c'est sûr. C'est bien sûr.